Sam? Ça va bien ce matin? Tant qu'à me laisser planter de beau comme ça, t'aimerais pas mieux m'inviter à m'asseoir? Non. C'est parce que je ne sais pas si t'en as conscience, là, mais je te regarde de haut, moi, là. Mais là, envoie, assis-toi. Qu'est-ce que t'attends? Alors, voici. Ça va faire 16 ans que je travaille pour Kilomètre Heure, dont bientôt 10 à la direction du marketing. Un méchant bail où, néanmoins, j'ai toujours été positive, dynamique. Bref, un plus pour l'entreprise. C'est correct, là. Prends-les ton après-midi. Non. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai peut-être gagné le droit de monter un peu plus haut dans la hiérarchie. Cadre supérieur, peut-être. Sylvie, ma petite Sylvie. Quoi? Non, mais sais-tu c'est quoi, toi? Gérer deux dossiers à la fois, hein? Superviser du personnel là, qui est toujours en train de te désobéir, puis avoir toutes les responsabilités sur tes épaules. Ça fait 4 ans que je suis mère célibataire avec 4 enfants. Non, non, ce que tu fais dans tes loisirs, ça te regarde, là? Moi, je te parle de quelque chose qui compte dans un CV. Je m'excuse, madame la femme de carrière, mais quand on décide de nommer quelqu'un à un poste supérieur, on l'évalue dans sa globalité. Ah, ben là, va pas croire là, que tes 4 enfants n'ont pas compté dans l'évaluation que j'ai faite de toi. Bah, au moins. Et comme j'ai besoin de quelqu'un qui a le sens des priorités, je peux pas nommer quelqu'un là qui écoute sa journée de travail à chaque fois qu'un de ses flots a une otite. Hey, coudonc! Quand on a dit aux hommes qu'il fallait que les femmes occupent plus de postes de direction, elles aussi, on leur avait pas dit que c'est parce qu'on avait besoin de patrons plus humains, plus compréhensifs, plus solidaires avec leur personnel féminin? On les a bien eus, hein? Sylvie! Apporte-moi un café. Les filles, je tiens entre mes mains un cauchemar féministe. Hé! Monte-les pas, Sylvie, là. On va être obligé d'évacuer. Ben, c'est quoi le rapport? Ben, là, tu vas peut-être faire brûler ta brassière et les sprinklers vont partir. Non, c'est la dernière édition du magazine Au volant, là, notre magazine concurrent. Ah. Imaginez qu'ils ont mis à l'intérieur un calendrier avec des pitons en bikini sur des hoods de char. Oh, quel mauvais goût! Non, c'est juste un clin d'œil, là. C'est au deuxième degré, là. Bon, oui, c'est vrai, c'est pas si pire que ça. D'ailleurs, je n'avais entendu parler, puis ça a l'air que ça se vend comme des petits pains chauds. Mais vous sentez pas sale, là, d'avoir ce torchon-là entre les mains? Là, viens pas folle, là. Hey, coudonc, toi! Quand on a dit aux hommes, là, qu'on voulait que les femmes arrêtent d'être réduites à l'état de viande, là, en se déshabillant devant des Kodak, c'était pas clair, qu'est-ce que ça a donné 40 ans de féministes? Hey, salut, père. Comment ça? Ça va? Ah, quand tu sais que ça va être une belle journée, ça peut juste bien aller, hein? Ouais, ça, c'est sûr. Tu voulais pas me dire quelque chose de spécial? Non, vite de même, je vois pas, là. Ah, OK! Fait que t'as décidé de jouer le gars qui fait semblant de rien. OK. Comment ça? Arrête donc, là. Ah, puis en passant, tu veux-tu que je revienne à une heure en particulier ou... Pourquoi faire? OK, OK, c'est beau, gars. Ouais. Je vais jouer le jeu, moi aussi. À plus tard. Allô, pape? Ah, Mélanie, que me vaut l'honneur de ta visite? Ben voyons, tu le sais bien. Oh, shit, dis-moi pas qu'il est déjà parti. Qui? Ben, Nico, évidemment. Ah ben, il sort d'ici à l'instant. Bon, ben regarde, je vais te laisser ça ici, mais si c'est possible, j'aimerais ça qu'il développe devant moi, OK? OK. C'est une demande spéciale qu'il m'a faite. Il voulait absolument que j'y rapporte ça de mon voyage à New York. Ah bon? Au fait, qu'est-ce que t'as organisé pour sa fête? Hey, j'espère que ça te dérange pas trop que je mette tout ça ici. Ben non, voyons. Moi, c'est parce que j'avais tout le temps proposé ça chez ma sœur, mais là, vu qu'elle déménage... Non, mais regarde, moi aussi, je suis en train de faire le ménage dans mes vieilleries comme ça. On fera ça ensemble. T'as pas peur que je découvre des secrets inavouables de ton passé? Sylvie, je te mets au défi de découvrir quoi que ce soit d'incriminant pour moi ici dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Sylvie, je te mets au défi de découvrir quoi que ce soit d'incriminant pour moi ici dedans, sauf cette boîte-là. Oh, c'est quoi? J'ai des niaiseries. Oh, laisse-moi voir. Non, non. Oh,
Des calendriers de char! Oh, ouais, oui, puis qu'est-ce que ça fait? Oh, ça fait que ça doit être ça, la partie mystérieuse de ta vie où tu disais que t'avais une nouvelle fille à chaque mois? Très drôle. Oh, je te taquine, mon nounours! Tiens, regarde-lui. Oh, 1979! Oh, mon Dieu, quand là-dedans, elle s'est grêtée! En tout cas, on peut voir à sa sorte de sourire que ça n'a pas l'air chaud un hood de Camaro quand t'es en G-string, hein? Hey, attends une minute, toi. Ouais. Regarde-la donc plus près, cette fille-là. Elle ressemble à... Oh, mon Dieu, c'est elle! Ah! Mon cher garçon, enfin le retour. Bon, quelque chose me dit que tu m'attendais. Oui? Ben pourquoi ça? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécial aujourd'hui? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde, depuis un matin que je joue l'innocent qui a tout oublié, là. Je suis un peu tanné. Bon, on va voir sa table là-bas. Hé! Hey! Oh, hé, hey, il y a un certificat cadeau chez Renaud Bré. T'es-tu content? Ah oui, oui, c'est bien le fun. Pourquoi tu fais cette face-là, d'abord? Parce que c'est moi qui te l'avais donné. C'est sûr. Mais dans le fond, est-ce qu'on donne pas ce qu'on aimerait recevoir, hein? Est-ce que le message, c'est... regarde, je te donne ce que, dans le fond, j'aimerais recevoir en cadeau, hein? Alors, au lieu de le dépenser de manière égoïste, j'ai pensé le conserver pour te le donner plus tard. Tu comprends? Tu l'as conservé longtemps, d'ailleurs, hein? Comment ça? Il est périmé. Acheté? Ah, tu devrais voir la face. Quoi? Ouais, t'as marché là-dedans à 100 000 à l'heure. Tu pensais vraiment que c'était ça ton cadeau? Ah, c'était une joke! Ben, voyons donc, toi, d'après toi. Maudit fou, père! Roxane? Ça va bien? Ben là, tant qu'à rester planté de même, tu m'invites pas à m'asseoir? Non. Je pense que c'est peut-être pas le bon moment de te demander mon après-midi libre, hein? Bon, ben OK, c'est correct. Oublie ça, là. Je vais rester jusqu'à 5 heures. Ben, je peux même faire des heures supplémentaires à bien y penser, là, si tu veux. Puis pas à temps et demi, là. Ça a l'air régulier. C'est... Peut-être même bénévole? Oh, j'espère que tu t'en viens pas y demander quelque chose. Oui, pourquoi? Oh, je pense qu'elle n'est pas vraiment dans des bonnes dispositions. Moi-même, j'ai pas réussi à arriver à mes fins. Moi qui suis pourtant reconnu pour négocier de façon musclée. Je perds rien à essayer. Puis, Roxane, as-tu repensé à ma demande de ce matin? Comment ça? C'est pas réglé, ça, là? Pas tout à fait. J'ai un dernier argument à te soumettre. Lequel? Celui-ci. Mais où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Peu importe. Mais oui, mais... moi, j'étais jeune, là. J'avais pas d'argent pour payer mes études. Et puis, ben là, tu pourrais avoir un peu de compassion quand même, là. Hein? C'est pas chaud, là, un hood de Camaro quand t'es en G-string. Roxane Tremblay, la grande dame de l'édition, étendue tout nue sur un hood de Camaro. Je suis pas tout nue! Ah non, non! Ben non, c'est vrai. Mais c'est pire! T'as des étoiles en papier d'aluminium sur le bout des totons! Mais là, là, j'espère que tu te serviras pas de ça pour, je sais pas, moi, là, prendre avantage sur moi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu t'es pas souvenu de la fête de ton propre fils? Arrête de sous-entendre que je suis un chien fini. J'ai une excuse. Laquelle? Mais c'était pas une date marquante pour moi. Ouh, de mieux en mieux. Pour moi, la date marquante, c'est pas la journée qui est née, c'est la journée que j'ai su qu'il était né. C'était pas en même? Non,
je t'explique. On était à l'hôpital, Marie puis moi, puis ses contractions étaient assez espacées. J'ai pensé que j'avais le temps d'aller prendre une petite frette. Tu sais comment est-ce que c'est, rencontre des chums, change de brasserie. Bon. Mais t'es revenu à un moment donné? Non, mais pour que tu me prends. C'est là que t'as su que ton fils est né. Oui, qu'il était en parfaite santé. D'ailleurs, sa mère aussi, tellement qu'il avait eu le congé la veille. Me voilà rassuré sur la nature de ton amour paternel. Ouais, 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 mais j'ai toujours pas de cadeau pour lui. Non, puis tu pourras même pas fêter avec lui ce soir. Comment ça? C'est le gala de boxe. Oh, je l'avais oublié. Hey, moi, c'est pas un an que j'attends après ça, j'ai assez hâte. Tu te souviens, hein, j'avais couché dehors pour être sûr qu'on ait des bons billets. Ben oui. D'ailleurs, c'est toi qui les as, les billets? Non, c'est toi. Pourquoi? Pour rien, ouais. Sylvie Côté. Elle est présentement... En conférence. En conférence. Oui, oui, vous rappellerez. Sylvie Côté, ça va faire. Là, là, je pense que t'as eu ce que tu voulais. T'as eu ta nouvelle promotion, ton nouveau salaire, toi-même, mon bureau. Là, là, tu viendras pas rire de moi en plus. Qu'est-ce que t'en penses, Miss Avril? Des billets de boxe. Hein? Tu me dis pas merci? Ouais. Merci, merci, là. C'est juste que... C'est juste que quoi? Garçon, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui passent la nuit dehors pour avoir des billets comme ça? Est-ce que tu penses à ça? Ah oui, mais... Moi, la boxe... Ouais, la boxe, il appelle ça le noble art. T'aimes ça, toi, l'art, oui ou non? Oui. Mais il se donne pas mal moins de coups de poing sur la gueule dans un concert symphonique, hein? Oh, mon Dieu, qu'entre un Picasso puis un boxeur après un affront, c'est pas mal la même affaire. Bon, regarde pas, là. Mais là, ce que je regrette, t'es pas content. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Que... Moi, juste que t'es pas content, c'est tout. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que. C'était pas ça ton vrai cadeau. Ah, non? Mais c'est quoi mon vrai cadeau d'abord? Merci. C'est quoi? Ben là, je vais quand même pas te le dire. Là. Ben, donne-moi juste un indice d'abord. Là. Disons, dans quel magasin tu l'as acheté? Ben, qu'est-ce que ça va te donner? Oui, juste pour le fun, là. OK, OK. Canadian Tire. Non, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Ah oui, oui, imagine-toi que j'ai fouillé dans les vieilleries à Sylvie puis j'ai trouvé quelque chose. Il faut absolument que je lui montre ça. Elle va être tellement surprise de voir ça, je peux pas attendre d'y voir la face. Un genre de vestige oublié. Un coucou que nous adresse notre passé, mon cher Denis. Puis toi, t'es bien placé pour pouvoir parler de l'effet que ça fait, hein? De quoi tu parles? Ben, ce que j'ai trouvé dans mes vieilles affaires, là. Ton album de finissant de secondaire. Celui où ils décrivent le caractère de chacun des étudiants. Ben oui, non, t'as plus ça, toi. Je t'avais laissé ça pour le brûler. Ben oui, mais quand j'ai vu que t'étais pas capable de le faire toi-même, je me suis dit, pas moi, il va le regretter un jour. Hey, faut pas se laisser traîner ça. Faut pas que personne mette la main là-dessus. Ben, je suis allé le porter chez vous. Quoi? T'es pas tombé dessus? Oh, non, non, faut pas que mes enfants aient ça. Ils m'ont fait rire de moi. Voyons donc, m'être ridiculisé. Moi, être humilié, moi. T'es pas sérieux. Alors, encore un petit peu de lait. Vivi! Ma Vivi! Oh! Ici, mon nounours! Oh! Allô, Roxane! Qu'est-ce que tu fais ici, mon amour? Eh bien, j'ai trouvé une photo. Que dis-je, une photo?
Une véritable balloune de nostalgie qui ne demande qu'à nous péter en pleine face pour nous asperger de ce qui fut ta juvénile fraîcheur. Oh, une photo de moi? Oui, ma tauterelle glacée. Et qui me dévoile un événement de ton passé que tu m'avais pudiquement caché. Oh, je vois pas. Si je te dis été 1987... Oh non, j'espère que... Oui! La photo de ton couronnement de Miss Camping 87! Oh non, mais où c'est que... J'étais jeune, innocente, je savais pas ce que je faisais! Denis Charest. Surnom, le poète. Mais où trouver ce cher Denis si vous le cherchez? À la bibliothèque Voyon. Mais attention, Denis ne dédaigne pas l'activité physique. L'an dernier, il a terminé 4e lors d'une compétition de marche rapide. Denis a été un des derniers de sa classe à avoir son permis de conduire. Car il a le mal des transports. Et surtout, Denis est toujours entouré de belles filles. Car celles-ci trouvent qu'il est un ami très doux à qui il fait bon se confier lorsqu'elles ont des peines d'amour. Vous pouvez bien rire, là. Pourquoi on rirait? Moi, en tout cas... Mais j'ai jamais été aussi ému de toute ma vie. Ému? Arrête donc. J'ai laissé traîner ça exprès pour que Nicole le trouve. Ouais, puis quand je l'ai lu, là, ben, j'ai compris que c'était ça, mon vrai cadeau. Puis ce que tu m'offres avec ce livre-là, c'est d'enlever ta carapace puis de me démontrer à quel point on se ressemble, toi pour moi. J'ai pensé que ça pourrait te faire plaisir. Ben, c'est comme une libération. Tu sais, je vais enfin pouvoir être moi-même, exprimer ma tendresse, me coucher tout seul, puis de bonheur, boire du lait, puis rêver d'être notaire tout en criant sur tous les toits, « Je suis pareil comme mon père! » Sylvie! Je réponds pas. Oui, tu vas répondre. Non, je répondrai pas. Oui, tu vas répondre, Miss Camping. T'as pas pris avantage, c'est juste égal, Miss Avril. Bon, ça a arrêté de sonner, là. Tu m'as peut-être fait manquer un gros contrat. T'avais juste à répondre. Non, parce que malgré les récentes révélations, je demeure supérieure à toi. Oh, comment ça? Parce que dans mon échelle de déchéance, passer pour une cochonne, c'est pas mal moins pire que de passer pour une quétaine. Ah. Oh, hey, Roxane, je voulais te dire ça. Je parlais au téléphone avec Titlaine, là, tout à l'heure, et puis elle faisait le ménage dans ses vieilles photos. Puis? Ben, elle est tombée sur une photo du Carnaval de Québec qui a été prise quand elle était petite. Ah, ouais. Puis là, en regardant la photo de très, très proche, là, de vraiment très, très près, ben, elle t'a reconnu! Dans la foule? Non, non, elle était majorette. Oh! Majorette! Ben, là, j'étais jeune, hein, j'étais innocente, là, je savais pas ce que je faisais. Mais là, ben, tu le savais que c'était ce jour-là qu'ils prenaient les photos de finissants ou ils t'ont pris par surprise? Très drôle. Non, mais il y a une leçon à tirer de tout ça, par exemple, hein? Quand tu frises, essaye pas de te séparer sur le côté. Ah, puis les trois poils sur ton menton, c'était une barbe ou un oubli? Bon, arrêtez donc d'harceler votre père. Ça a pas dû être une mince tâche que de promener un rasoir à travers tant de boutons. OK, OK. Restons positifs. Ah, tes dents, t'as vraiment bien fait de faire changer ça. Mais vous finissez de rire de moi, là? Oh, on taquine, voyons. Pis, pa, dis-toi que ça enlève rien au fait qu'il y a rien.
Mais rien que t'aurais pu m'offrir qui m'aurait fait plus plaisir que ça. Oh, mon verre de contact! Germain, t'as pas de verre de contact. Qu'est-ce que t'en sais? On t'a jamais vu avec des lunettes. Justement! Puis d'ailleurs, pas. Je veux te dire que j'ai tellement été touché que... Ben, que tu fasses ta part pour venir vers moi que... Ben, j'ai le goût d'aller vers toi, moi aussi. Dans quel sens? Ben, tu sais, les billets pour le galop de boxe de ce soir, là. Ah, t'en as, toi aussi! Oui, monsieur, et je vais les utiliser. Ah, t'es sérieux? Oui. Oui, puis je me sens tellement proche de toi tout d'un coup que... Ben, que j'ai le goût de me sentir comme si j'étais toi. Ça fait que je vais y aller avec Germain. Comment là, il est tombé pareil comme toi, cet enfant-là, le cœur sa main. On y va? Ah, oh, tout d'un coup. Bonne soirée. Denis, les billets de boxe que t'as, là, fais qu'est-ce que tu veux avec. Amène n'importe qui, moi. Je peux pas désappointer le petit.